Dieu, viens à mon aide. Et Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve-nous. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Viens m'apprendre tes ordres. Et viens me voir avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur,
que maintiennent tes tendresses et je vivrai. Car ta loi fait mes délices, onde superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes, que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage, que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour des siècles, amen. Les mains m'ont façonné. Psaume 22. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël, alléluia. Je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prairies fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Pour y refaire mon âme, il me guide par le juste chemin. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Aide-moi ton bâton, ta houlette, sans la qui me console. Devant moi tu apprêtes une table, face à mes adversaires. Dimension, tu me parfumes la tête. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. La demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël, alléluia. Je suis le rejeton de la lignée de la vie, l'étoile radieuse du matin. Psaume 23. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur le fleuve l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur, et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme innocent au cœur. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice de Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent,
Il consigne ta face, Seigneur. Porte, levez vos frontons. Élevez-vous, portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qu'il est ce roi de gloire. C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Le Seigneur, le vaillant des combats. Porte, levez vos frontons. Élevez-vous, portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui, le Seigneur Sabaoth. Lui, le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, amen. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël. Alléluia, je suis heureux, je tombe de la lignée de David. L'étoile radieuse du matin. Cantique d'Isaïe, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont honteux et humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre, je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi toute langue en fera le sermon, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles, amen. De Hans-Urs von Balthasar, « Si vous ne devenez comme cet enfant ». On peut réaliser la différence essentielle qui s'ouvre entre les enfants des hommes ordinaires et le Fils de Dieu devenu un enfant. Mais il est impossible de comprendre que les premiers puissent devenir enfants de Dieu comme Jésus était le Fils de Dieu. On comprendrait qu'on nous aborde, nous autres humains, en nous disant tendrement « enfant », comme le fait Paul avec son disciple et ami Timothée, qu'il appelle « mon enfant ». À la rigueur, on comprendrait encore que le Père puisse, par amour pour son Fils, nous adopter, nous les hommes, comme ses enfants, en nous rachetant de l'esclavage de la loi, ou plus profondément, à travers l'accueil de l'Esprit qui anime aussi le Fils éternel. Cependant, à y regarder de plus près, nulle part cette adoption n'est comprise comme un acte purement juridique.
Le doute qu'on pourrait encore avoir disparaît là où il est dit que cet événement, quand cet événement, nous cessons d'être nés de parents terrestres, mais que nous sommes nés de Dieu. Et pour que cette chose inconcevable puisse avoir lieu, Dieu a conféré au Fils éternel la toute-puissance. Dieu le Père donne pouvoir à son Fils de faire en sorte que nous soyons engendrés de Dieu ou nés de Dieu avec lui. Dans l'entretien avec Nicodème, Jésus appelle cela « naître de nouveau » ou « d'en haut ». Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi.
un enfant est né. Depuis 10 jours déjà, le ciel et la terre unissent leurs voix pour proclamer l'admirable nouvelle. Puisse-t-il ne pas s'enlacer, puisse-t-il ne pas s'arrêter, puissions-nous avec eux ne pas cesser de nous en émerveiller. Un enfant est né pour nous, un enfant est né en nous. Cet enfant dont nous célébrons la naissance, cet enfant tout abandonné à l'amour de son Père, tout illuminé par la connaissance de l'amour de son Père, cet enfant, c'est nous. Il n'est pas né seulement il y a 2000 ans aux environs de Bethléem, il est né nouvellement en nous, en ce Noël. Et c'est nous qui, en lui, sommes nés. Nés, renés, totalement aimés du Père, totalement abandonnés dans l'amour de notre Père, recréés dans la certitude de son amour, enfants de Dieu. Cet amour qui est déversé du regard du Père vers le Fils de son amour, ce même amour est déversé en nous. Le Père nous aime du même amour dont il aime son Fils. Ce qui existe de toute éternité entre le Père et le Fils dans la Trinité nous a été donné en partage en ce Noël. Il nous faut nous émerveiller de cette naissance, la contempler, parce que là est la source pour nous de toute une vie qui doit se déployer. Cet enfant totalement aimé du Père, cet enfant qui connaît enfin l'amour de son Père, cet être que nous sommes, devient capable d'un amour dont il était privé. L'être vieillissant qui doutait de l'amour de son Père, qui s'était coupé de cet amour, qui s'était enfermé dans la tristesse de son péché, a été renouvelé, recréé dans cette naissance. Il n'y a plus aucune crainte, aucune peur, aucun soupçon entre nous et le Père. Et notre cœur est rendu à cette liberté première pour laquelle il a été créé, aimé, aimé de cet amour même dont il est aimé. Contempler la réalité de ce mystère pour nous en réjouir, mettre notre foi dans cette vérité pour y puiser toute force et aimer en acte et en vérité. Cet enfant né en nous ne peut vivre et grandir en nous que si nous aimons. Il est né de l'amour et pour l'amour. Cet enfant meurt dans un cœur fermé. Cet enfant de Dieu que nous sommes ne vit que s'il aime. Et nous ne nous y trompons pas, ce sera toujours laborieux. La réalité est merveilleuse, mais elle est difficile. Renoncer à soi, donner de soi, pardonner, est toujours au-dessus de nous, toujours au-dessus de nos forces. Mais c'est ainsi que Dieu a voulu manifester son amour pour nous. Il a envoyé son Fils pour que nous vivions par lui, pour que nous aimions par lui. Il a voulu que nous ne puissions pas aimer sans lui, pour pouvoir vivre en nous, être en nous, avec nous. Frères et sœurs, nous le savons, cet enfant couché dans la crèche, totalement abandonné à l'amour de son Père, cet enfant qui dépose sa vie en nous, qui nous délivre du non-amour pour nous faire naître à la possibilité d'aimer, ira jusqu'au bout du don en se livrant pour nos péchés. Mettons toute notre espérance en lui. Naissons chaque jour en lui pour le laisser nous mener pas à pas jusqu'au bout de l'amour avec lui.
nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour le peuple de la terre, pour ceux qui la gouvernent, ô Christ, lumière des nations, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour ceux qui nous ont fait du bien et pour ceux qui nous haïssent, ô Christ, lumière des nations, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour ceux qui sont en danger, pour les prisonniers, les affamés, les malades, ô Christ, lumière des nations, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Des siècles, amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre, donne-nous d'être transformés par lui au plus intime de notre cœur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur.
Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sang, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Thank you.